Bana mokili mobimba, bana vian, peuple mondi bozali, tole kana Temoloji TV, ne place ozwa ba nouvelle a mboka, place ozwa masolo tu ya mboka, place ezolo ba bosolo, ezaka kana kata Temoloji TV. Peuple mondi bo. Abonnez-vous à Temoloji TV. Temoloji TV n'est ma camote. Temoloji TV n'est ma solo. Avec ma bogar, le roi, Olivier. Dali, il y a une image. L'année, il y a ma solo. Donc, abonnez-vous. Temoloji TV n'est ma solo. Yeah. Le système est abonnement dans Temoloji TV. Donc, abonnez-vous à Temoloji TV n'est ma cam. Donc, nous tous les ans, nous abonnons déjà. L'homme de Bokok, je peux vous rompre la FCD. Non, abonnez-vous. Mouyembe, oyezali RDC, docteur Mouyembe, yo kanga bien. Keba na yo docteur Mouyembe, na lobi keba. Tous ça a besoin, oye la besoin, esprit à maman Jolin Jonjo, ma mindelete, oye kotia besoin à mitouawa. Oyezali Congo RDC, le komakas, batamayel, bazali, belle zaga yote. So mouni o kokate tika, ba pesa mout moussousou. Et ça, c'est quand on a un flan à koufi. Message, je pense qu'il y a un flan à koufi. Message, je pense qu'il y a un flan à koufi. Tout ça, on a besoin de savoir que oui, dans 65 ans, dans un ango, autant la situation est stabilisée, autant la situation est critiquée, autant les alibes, autant les alibes, autant les alibes critiques, les alibes liées à Nini, Nani, Nani. Il y a un sac à l'amour qui m'a été koufi. Il y a un sac à l'amour qui m'a boni. Hein? Tu vois, ma soeur, on a autant. Et ça, mon sac à l'amour, c'est un sac à tika. Ma pèse à mon sac. Tu as besoin de cette situation réelle. Oh, tu as besoin de combien de biki, combien de besoin d'avoir stabilisation. Stabilisation, pardon. Monsieur, oh, tu as besoin de situation critique. Situation critique, c'est pourquoi. Hein? Yo, nous sommes comme ça, ma camionne. Et ma camionne, tu as besoin d'un rapport complet. Tu as un rapport, tu as un rapport, pèse un rapport détaillé à chaque situation. Tu es un rapport détaillé à chaque situation. Tu es un rapport détaillé. Si tu as un rapport détaillé, tu as un rapport Ingata! Alors, le vaccin, nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais, je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais et peut-être vers le mois de juillet-août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la RDC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Je me vois dans l'obligation de prendre les mesures suivantes. 1. La commune de la Gombe est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Premier ministre, ministre du Plan, Élisée Bonnivoué, s'est entretenu avec une délégation de l'équipe des ripostes contre le COVID-19 en République démocratique du Congo en vue de leurs échanges, l'élaboration d'un plan de lutte pour faire face à cette pandémie mondiale. D'autres détails avec Peggy Mukunda. Collaborer et travailler ensemble avec le ministère du Plan en cette période où le monde fait face au coronavirus. Après l'élaboration d'un programme d'urgence de transition contre cette pandémie, la vice-premier ministre du Plan Élisée Mounemboué, à côté de son vice Freddy Kita, a tenu à informer le coordonnateur du secrétariat exécutif de la riposte, Jean-Jacques Mouyembe, du contenu de ce plan de transition. Bon, vous savez que nous sommes en urgence ici et
que nous faisons doit être planifié. Et donc, le vice-premier ministre chargé du plan a voulu me voir pour m'informer de son plan pour que tout ce que nous faisons dans l'urgence, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, soit également intégré dans le plan général du PNP. Et donc, nous allons prendre le plan stratégique que nous venons d'élaborer, de sorte que les experts qui travaillent avec nous, le secrétariat technique, se joignent aux grands experts qui sont ici au plan pour produire un plan unique qui va servir à la fois à l'urgence actuelle et également au développement de notre plan. Nous devons donc vraiment nous préparer et respecter les règles d'hygiène édictées par les autorités. Dans son rôle de coordination des programmes interministériels, les experts du ministère du Plan vont travailler et planifier avec les staffs de la Riposte afin de produire un plan d'urgence unique dans la lutte contre cette pandémie. Aux an hôpital Mbalobi qui est Yosho Bikit. Oui. Mais bon, pourquoi pas aux libéraux? Déjà que Nabiki. Bon, si Koyo, vous comprenez, c'est Balobaki Nabiki déjà. Mais après, il y a un examen Yasuka. Examen Yasuka, tant que ça, là, il dit non, il faut. Traitement ya corona au bango balobaki ba soigné yo to ba soigné yo te traitement corona na zuté ngana na corona te na isa bango ke ngana na corona te tant que na corona te boté ke sanga ta kisimo côté yo ba ngana ba tout bango ba traveleuse na nga bi non au début d'un bail bac nanga ils ont la capacité mais tout le bango bon les gens ils ont moins nanga ils ont les non ils ont contagieux te ils ont envoyé les côté et pour yo ils ont camoko bené Kabene donc ils ont les côté ils ont mini négocié la yango moko banti kor non ce que tu sais les négociants mais la doliprane on a négocié ça qui ne l'ont pas bon nanga donc il y a là qui nanga yango te parce que c'est qui yango prévenir que bateau bazar nanga bateau lui mais la qui bateau qui pourquoi ni le bar le bagay yo tout ça nanga bango bango balingi kanan lima bango balingi kanan lima kiza yango alors pour me faire sortir d'ici n'a obligé nan lima car sinon voyez basoaninga nandimi mais basoaninga bota la ilo koni basoaninga il faut se poser des questions aussi basoaninga na qui c'est nini na Doliprane est-ce que Doliprane peut soigner une maladie wana c'est d'interrogation c'est ça donc eux ils m'obligent qu'ils les ont eu dans une barrière aussi ils sont à bout de papier dans une sorte que non Alors, par contre, moi, si n'anga, il faut pas aller vers les amis, bah, lui, non, bah, mon lien, nani, ni, bon, n'a le bon, problème, exactement, c'est pareil, à Romelaka, bah, qui s'y n'a, maintenant, on est là, mais lui, c'est ici. Donc, il y a un autre côté. Si vous, bah, tu vas au comment le banane? Il y a banane? Ah, n'a pas eu banane, mon frère. Bata inerbe, bata ministère, bata cité de l'Union. Et puis, tant que inerbe, tant que avant, nani, le monsieur, là, le docteur. Mouyembe. Mouyembe.
Dès le téléphone, tant qu'il a confirmé ma commande, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous confirmez des trucs que vous ne savez même pas, des trucs comme ça. Alors, bien, on a un yaki, on a un qui n'a pas de matin, on a un petit dossier, on a même ça, donc j'ai fait ça avec mon ménage, je vais prendre des choses en main, comme ça, on a un peu de choses qui est allé. Après, tant qu'on a un peu de choses, on a un peu de choses, on a un peu de choses, on a un peu de choses. Donc, mais pour moi, je sais que non, ils ont ils en ont côté. Parce que je sais que non, on a un malade dans la tête. Qu'est-ce que côté à moi qui côté n'a pas mon goût, ça les résistants. Mon qui est l'eau aux intérêts. Qu'est-ce que côté à moi qui non, va contrôler moi qui, ce qui va monique moi qui est comme une bâche pour relever l'obi. L'obi n'a pas tout, n'a pas 19h. Voilà, mais oh, on a beaucoup de bien, on a beaucoup de bien, mais beaucoup de bien, non, que je vois qu'il a mis ça les bénés, pour prélever, comme ça, bon, c'est bien, nous, que j'en ai monté, bon, on a dit, on a dit, d'accord. Toi qui as une promotion, monsieur, ben, n'est-ce pas corrompre, on a moins loco, pour on dit, ma caca, pour bâtir au bima. Non. Bien sûr, ok. Mais en fait, il m'a évité, maintenant, nous, comme il a été, voilà. Wana nane komeni nga ite. Me nga inde na intention na bango balindika kake non nga nandi maki na alagi na maladi na nga viti. Donc c'est tout ce que je sais. Me kokoron pre wana nanda yeli nga li kambo wana ke. Anakini kita mage nga na priyaka. Muyembe, oye zali RDC. Dr. Muyembe, yo kanga bien. Keba na yo Dr. Muyembe. Na lobi keba. Tout ça a besoin, oye la besoin, esprit a maman joli njonjo, a maman dele te, oye go tia besoin na mitu awa. Oye zali Congo RDC loko makasi, bata maele bazali bele zaga yote. So mwone wo kokate tika, bape sa mwote mwosusu. Ezate ka olamre na te ongo fula na kufi. Message zo pesa ka fula na kufi. Message zo pesa ka fula na kufi. Tout ça a besoin, sa besoin ke oui, na 65 ans na zan ango, autant situation bango zali stabilisé, autant situation bango zali critique, autant ezali bo, oye zali critique, ezali liye a nini. Yo zaka o lamouki mouta koufe, mou lamouki mouta koufe, boni, eh? Toa ba masuwa na ote, eza mousala ba peso, so kukate tika, ba pesa mouti mousousu. Toa na bezo pesa kiso situation réelle, oba toa na kati, kombe ba biki, kombe ba zwa anfa a stabilisation, stabilisation, pardon, mousousu oye ba zali situation critique zali pourquoi, eh? Yo zo zango komisama makamna yo, et ma communauté avec Mamboka, tu as besoin d'un rapport complet. Tu as un rapport de Ndamo, Kakao, Moutakoufi. Pensez à lui sur un rapport détaillé à chaque situation. Tu es bagarre, on est ok. Les Akar Moutakoufi. Sauf mon nom, tu es un peu plus petit. Ingata! Mes chers frères et sœurs, mes salutations patriotiques et fraternelles. Je vous salue en ce moment. Je pense que vous êtes dans vos familles, avec vos familles, dans vos maisons. Et comme moi, il y a ces révoltes qui se passent en vous. En ce moment où je parle, je voudrais vous poser une seule question, et c'est la question qui mérite d'être posée par tout un chacun d'entre nous. Que veut le gouvernement français? Que veut réellement le gouvernement français? Après avoir pillé systématiquement l'Afrique, après avoir clochardisé une grande partie de notre jeunesse aujourd'hui poussée vers une immigration assassine, après avoir volé à l'Afrique tous ses leaders, après avoir aujourd'hui bouleversé notre avenir en nous imposant une forme de monnaie de singe, une monnaie imposée qui n'est en rien une monnaie, après avoir envoyé ses sbires, c'est-à-dire je parle de l'armée française qui d'ici et là assassine, bouleverse, déstabilise, le gouvernement français veut encore nous assassiner. Si le gouvernement français veut nous assassiner, parce que le gouvernement français aujourd'hui se passe comme le porte-parole de la communauté internationale qui en réalité veut exterminer la population africaine avec cette situation ou cette question de la démographie. Qui parle de la démographie africaine si ce n'est la France? Qui alimente les sujets, les débats sur la démographie si ce n'est sont les gouvernements français en ce moment où nous parlons? L'Espagne est ici, à quelques kilomètres de la France. L'Italie, à quelques kilomètres de la France. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Pourquoi ne commence-t-elle pas cette charité chez elle, en Europe, pour aider ceux qui sont dans le besoin? Non. Pourquoi elle-même, la France, ne soigne pas ses propres enfants, ses employés qu'elle a mis au premier, en première ligne? Pourquoi ne la soigne-t-elle pas? En ce moment où je vous parle, deux infirmières d'origine africaine ont perdu la vie en laissant quatre de leurs enfants pour chacune d'entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mises sur la première ligne. Parce qu'il n'y a pas eu de tests après. Parce qu'elles se sont retrouvées seules, confinées chez elles, alors qu'elles ont chopé la maladie ou le virus à l'hôpital, là où elles étaient. Ceci nous rappelle, comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. N'est-ce pas ça? Nous sommes en train de revivre ce que les tirailleurs sénégalais ont vécu sur la première ligne pour permettre la victoire de la France. Rappelez-vous, c'est le même contexte parce qu'on parle des guerres.
La France est en guerre. Et dans cette guerre-là, ce sont les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes d'origine africaine et noire qui sont mis sur la première ligne. Sans masque de protection, sans gants, sans quoi que ce soit, même pas la possibilité de se faire tester une fois les services finis. Elles rentrent chez elles et se sacrifient aujourd'hui au nom d'un gouvernement qui demain va effacer même ces héros-là et ces héroïnes de la page de son histoire. Alors, il y a une question aujourd'hui que vous devez tous savoir. Mohamed Ali est aujourd'hui le prédécesseur qui va nous enseigner tout ça. Mohamed Ali ne disait-il pas qu'il avait refusé autrefois, en faisant appel à l'objection des consciences, refusé de s'engager dans la guerre contre les Vietnam. Aujourd'hui, vous avez à faire un choix historique. Vous avez à faire appel à votre conscience, à votre injonction de conscience, pour refuser à chaque fois que la question vous sera posée de choisir entre vos diplômes et la vie, choisissez la vie. Choisissez nos enfants que vous laissez aujourd'hui orphelins. Choisissez vos familles, choisissez vos maris, choisissez vos femmes, choisissez vos sœurs et vos petits frères. Et ne vous sacrifiez pas. Et nous condamnons véritablement cette attitude. Aujourd'hui, j'engage la responsabilité du gouvernement français qui, incapable de soigner ici, incapable de protéger ses infirmiers et infirmières, à la bande samaritaine qui se tourne maintenant pour aller lancer une campagne de vaccination en Afrique. On veut vacciner en Afrique. Mon cher frère, ma chère sœur, quelle est ta contribution dans ça? Demain, que diras-tu à tes enfants? Chacun de nous doit mettre du sien. Chacun de nous doit appeler ses frères, ses cousins, sa famille, tous ensemble, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les Africains et Africaines de la diaspora, j'en grandis, tous les Noirs, permettez-moi et passez-moi les termes, tout le monde doit appeler le sien pour dire non à la campagne de vaccination. Vous, tous, jeunes, jeunes et vieux, barrez la route à ceux-là. Barrez la route à ces expatriés ou ces Européens immigrés qui viennent avec des masques, avec des médicaments. Nous sommes dans un moment aujourd'hui où il faut redéfinir les paradigmes. Vous vous appelez opposant. L'opposition, ce n'est pas simplement l'alternance du pouvoir. L'alternance que vous cherchez pour remplacer celui qui était là. Hein? Les bons nègres des services qui étaient là et vous voulez les remplacer. Aujourd'hui, il faut redéfinir c'est quoi l'opposition. Chaque parti d'opposition, nous en avons aujourd'hui près de 450 partis en République démocratique du Congo. Près de 500 et quelques au Mali. Près de, je ne sais pas moi, des 100, de 300, Bénin, partout. Tous les partis d'opposition, mobilisez-vous pour prendre position sur cette question de vaccin. Parce que c'est ça, l'opposition doit être une opposition d'alternative. Et l'alternative, ce sont tous ces médecins africains aujourd'hui qui, comme ces Béninois qui a donné la pivirine, qui, comme tous ces Africains qui ont donné d'autres façons de se soigner. Et je lance encore un appel, et je renouvelle mon appel pour aller vers les traitements tels que nous ont appris ceux qui nous ont précédés. Le Congo Bololo, le feuille de Nîmes, le feuille de Grawa, tous ces feuilles que nous avions citées sont des antipaludiques capables aujourd'hui d'empêcher l'expansion exponentielle ou si vous voulez la contamination exponentielle. Que diras-tu à tes enfants? Que diras-tu à tes petits-enfants? Que leur diras-tu? Aujourd'hui, j'engage la responsabilité historique de tout un chacun et de chacune d'entre nous. Chacun de nous doit faire ce travail. Mobilisation collective. Non au vaccin en Afrique. J'engage aujourd'hui, sur le plan historique, vous toutes et vous tous, aujourd'hui en Afrique aussi, soyez vigilants, car il n'y a aujourd'hui, en ce jour où je suis en train de parler, en ce jour, il n'y a aucun gouvernement en Afrique susceptible et capable de prendre en charge votre sécurité sanitaire, capable de vous protéger, parce qu'ils ont tous été déjà subordonnés par des décisions qui ont été décidées d'outre-cieux. Alors je vous demande à toutes et à tous, unissons-nous et disons non, faisons barrière d'une forme, je dirais, avec toute la détermination qu'il faut. Ils ont voulu la guerre, ils ont déclenché la guerre et on va assumer. N'ayez pas peur, ne craignez rien, mais agissons. Parce que quand nous n'agissons pas, ils continuent. Que le gouvernement français prenne tous ces budgets-là qu'il prépare pour donner en Afrique, qu'il prenne tous ces budgets-là qu'il a mis derrière son armée pour aller massacrer et piller, qu'il prenne ces budgets et mettre derrière les personnels soignants, qu'il mette derrière les infirmiers, qu'il mette derrière les médecins pour sauver son pays qui est aujourd'hui dans l'hécatombe, qui est en train de sombrer et qui, sûrement, aura des conséquences véritables. Et l'Afrique ne va pas essuyer ses larmes. L'Afrique ne paiera pas le prix cette fois-ci de ses malheurs et de ceux qu'ils ont engagés, même par leur irresponsabilité et leur méchanceté vis-à-vis de notre peuple. Parce que je ne vois pas en quoi la démographie africaine peut-elle déranger, aussi déranger les dirigeants de la France, les penseurs de la France et tous ceux qui veulent aujourd'hui sombrer l'Afrique, permettre à l'Afrique de sombrer dans un chaos indescriptible. Alors, mes chers compatriotes, pas de test de vaccin en Afrique, pas de test de vaccin en Afrique et partout, une mobilisation générale. Quant à vous, mes chers frères, mes chers frères et sœurs, infirmières et infirmiers, je vous ai dit, faites le choix entre votre vie et vos diplômes. S'il faut abandonner vos diplômes, abandonnez-leur. Restez chez vous. N'y allez pas au front pour servir une nation qui demain vous effacera dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Unité, dignité, courage. Chers compatriotes panafricains, Bantu Congo,
la population africaine de partout dans le monde, nous avons tous été témoins des propos dégradants tenus par le docteur Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, et le docteur Jean-Paul Mira, chef de service de réanimation de l'hôpital Cochin, des propos d'un racisme inacceptable, d'un racisme inouï, des propos qui ramènent à faire croire au monde entier que la population africaine, la population de l'Afrique, seraient considérés comme des cobayes, où on viendrait tester des vaccins, des médicaments, des produits qui seront ensuite administrés à la population de l'Occident. Ces propos outrageants, touchant à l'humanité de l'Afrique et de sa population, nous ont obligés, nous, de la Renaissance du Congo, en consultation avec tous les membres de la résistance Congo, d'établir un dossier judiciaire et nous allons déposer plainte contre le docteur Camille Locht pour ses propos racistes et dégradants vis-à-vis de l'humanité noire, contre le docteur Jean-Paul Mira pour des propos inacceptables, des propos injurieux, des propos animalisants, chosifiant la population noire de l'Afrique. Nous devons faire comprendre l'essence de l'humanité à tous les vivants sur cette terre, que l'homme noir qui a été esclavagisé depuis le 14e siècle, l'homme noir qui a été déporté depuis le 14e siècle vers l'hémisphère ouest, l'homme noir qui a été assujetti, l'homme noir qui a été abruti, abêti durant 6 siècles, n'est plus l'homme noir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes de la génération consciente, cette génération qui ne va plus jamais se laisser faire. Voilà pourquoi nous allons déposer une plainte en bonne et due forme contre les docteurs Camille Locht, directeur des recherches de l'INSERM, et contre les docteurs Jean-Paul Mira, chef des services de réanimation de l'hôpital Cochin, pour des propos inacceptables tenus lors d'une émission sur la chaîne LCI le 1er avril 2020. En passant de surcroît, nous profitons de l'occasion pour interpeller, sensibiliser toute la population africaine de partout dans le monde, et en l'occurrence celle qui est dans les continents, à interpeller les leaders d'opinion, l'élite africaine, l'intelligentsia africaine, à ce qu'ils s'opposent à ces projets de vaccination qu'on veut administrer à la population africaine en premier. Nous pensons qu'il est non avenu la vaccination de la population africaine avec des produits que nous ne savons contrôler, que nous ne pouvons dire si ces produits sont bons pour la population ou non. Voilà pourquoi tous les leaders d'opinion, tous les éducateurs de masse, l'élite africaine de partout dans le monde, vous êtes appelés à prendre la parole et à dénoncer ces projets machiavéliques qui a pour objectif de stériliser, de réduire la population africaine, de rendre impuissante, de rendre inutile la population africaine. Voilà quelle est notre démarche. En tout cas, aujourd'hui, en collaboration, encore après avoir consulté les membres de notre association La Renaissance du Congo et les membres d'autres associations de la Résistance Congo, et surtout après avoir eu une longue discussion avec notre avocat, Maître Tamba, nous avons décidé de déposer plainte contre le docteur Camille Locht, directeur des recherches de l'INSERM, et contre le docteur Jean-Paul Mira, chef des services réanimation de l'hôpital Cochin, pour des propos racistes, des propos inacceptables et des propos déshumanisants qu'ils ont pu tenir ce 1er avril lors d'une émission à la chaîne LCI. Nous supposons que ces propos-là ont un projet qui est caché derrière, qui est en train de se réaliser et qui devrait normalement avoir lieu. Voilà pourquoi nous interpellons aussi les politiques congolais, les hommes des sciences de l'Afrique, les hommes politiques africains, de rejeter toute forme de projet de vaccination dirigé vers l'Afrique. Métatron, Ingeta. Alors, le vaccin, nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada.
Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais, je crois, au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais, et peut-être vers le mois de juillet-août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici, à l'ABC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Mouyembe, oye zali RDC, docteur Mouyembe, yo kanga bien. Keba na yo docteur Mouyembe, na lobi keba. Tout ça, besoin, oye la besoin, esprit à maman Jolin Jonjo, ma mindele te, oye go tchèm son amitou awa. Oye zali Congo RDC, le komakas, ma tamayele bazali, belle zaga yote. So mouni wo kokate tika, ba pesa mout moussousou. Et ça, c'est quand on a un flan à Koufi. Mais ça, je pense que c'est un flan à Koufi. Mais ça, je pense que c'est un flan à Koufi. Tout ça, on a besoin de savoir que oui, dans 65 ans, dans un an, autant la situation est stabilisée, autant la situation est critique, autant les critiques, les liés à Nini, Nini. Yo, ça, on a un mot à Koufi. On a un mot à Koufi. Boni. Hein? Toi, on a un mot à Et ça, on a un mot à Koufi. On a un Tika. On a un mot à Koufi. Tu as besoin de cette situation réelle. Oh, tu as besoin de combien de biki, combien besoin d'avoir stabilisation, pardon. Moussousou, oh, bah, allez, situation critique. Situation critique, allez, pourquoi? Hein? Yo, nous sommes comme ça, ma camionne. Et ma camionne, ma mambouka. Tu as besoin d'un rapport complet. Tu as un rapport, ndambo, kakao, mouta koufi. Pesa, biso, ma rapport détaillé à chaque situation. Tu es bakan, mouta koufi. So, mouna koufi, tika mouyembe. Ok? Pekebana yo. Ingata!